73-51, Michel, d'un part de Dundee 33. Et oui, c'est parti pour le QSO national du canal 27 du 1er septembre. Ah non, mais t'as raison, hein, j'étais en train de boire mon cappuccino, là, tu vois, là, avant de prendre le micro. Peut-être aussi. Et là, en tout cas, là, ce soir, je suis là. Par contre, là, ce week-end, là, après, je serai pas là. Obligation familiale. Enregistrer la station qui est passée très QRP derrière. Problème, je dirais pas ça, c'est pour un anniversaire là qu'on est pris ce week-end. Donc ça va, tout va bien quoi. Ah, il y a une deuxième personne là qui est passée, là, très QRP aussi, un peu en décalage, parce que la modulation était grave. Juste avant ça, j'entends une autre station là passer un appel. Est-ce que c'est un QSO parallèle ou alors c'est pour nous sur le sud-ouest? On va bien voir. En avant la station avec les bases 73-51 du QSO du canal 27 du sud-ouest. Ah, je vois rien passer là sur le web SDR, si ce n'est que sur le canal 28 apparemment il y a un peu de monde. Là je vois ça, là j'ai vu une traînée là sur le web SDR. Donc ça y est, depuis hier soir, tard, le web SDR de Bordeaux est à nouveau en route. Hein, quoi, le QSO est déjà fini? Brico, Brico. Oui, Brico, Brico, les modes 113. Oui. Hop là, j'ai vu ta trace. Toi, quand tu prends le micro, tu laisses de ces traces, les 73 Ludovic. Eh bien, très content de t'avoir en fréquence. C'est vrai que là, durant tout l'été, ça a été un petit peu ardu, mais bon. On est le 1er septembre, hein, donc une nouvelle année qui recommence. Qui commence? Oui, le 2351, oui. Oui, effectivement, on a pas eu trop l'occasion de faire le QSO ensemble cet été. C'est vrai que c'était plutôt calme à ce côté-là. Moi, j'ai fait quelques QSO à droite et à gauche en PMR, en CBI, tout ça, mais bon, voilà, c'est vrai que je suis pas été très actif ces derniers temps dans le coin. Donc voilà, le 3751 retourné à toi, en ton micro. Ok, merci. Donc, essayez la bonne nouvelle du week-end. Le WebSDR est à nouveau en route. Alors, bon, j'imagine que t'as pas fait que ça hein, sur le WebSDR. T'as dû faire quelques autres travaux. Est-ce qu'il y a eu des améliorations d'apporter, quelques petits réglages qui ont été peaufinés? Je sais pas. Vas-y, dis-nous ça.
affirmatif, il y a eu des modifs. Hein. Déjà, j'ai changé la version de Linux qui était dessus. Je parle un peu technique, hein. Le Linux que j'avais installé avant permettait de. Était très bien. Hein. Mais c'est un truc qui est surtout fait pour les serveurs. Et qui est là pour tirer au maximum la partie de la puissance du microprocesseur. Donc en gros, il le fait tourner à pleine puissance en permanence, ce qui n'est pas forcément utile. Là, j'ai une distribution qui est plus orientée pour les ordinateurs de bureau, qui est capable de... Enfin, qui est capable aussi. C'est pas que je ne savais pas le faire, mais c'est que je ne savais pas le configurer. Si. Voilà, mais celle-là, par défaut, est capable de faire descendre la fréquence du microprocesseur quand c'est pas utile, ce qui fait que le PC chauffe beaucoup moins, et que forcément, il tire beaucoup moins sur l'alimentation. Et donc j'ai bon espoir qu'elle dure beaucoup plus longtemps celle-ci. En tout cas, un grand merci à David s'il nous entend, parce que c'était vraiment sympa de sa part de m'envoyer cette alimentation de remplacement. Donc j'ai fait un petit peu de soudure pour changer le câble qui va jusqu'au PC, parce que les embouts ne sont pas les mêmes d'un PC à l'autre. Mais à part ça, aucune difficulté. Donc voilà, comme je disais, j'en ai profité pour installer le système dessus, faire une installation un peu plus propre de ce qui a été fait. Et puis, j'y suis tout documenté, comme ça si un jour le disque dur crash, ben je saurais le réinstaller sans devoir chercher pendant 2 heures. Voilà, donc sinon rien de plus, il marche comme avant. Voilà, retour. Ok, vu les explications que tu as données, ce serait pas une Debian des fois que tu as installé? Après, on fera un retour de micro sur Michel qui t'a toujours pas dit bonjour. Ce serait pas une Debian que tu as réinstallé des fois? Ah, il y a Michel, 7351, Michel, excuse-moi, je savais pas que tu étais derrière, donc allez, vas-y, un peu. Hein. Je t'entends le micro juste après, Michel, juste à dire que avant c'était une Debian. La première distribution que j'ai installée, c'est une Debian, donc il y a une distribution très adaptée pour les serveurs. Et là, j'ai installé une distribution qui est dérivée de Debian et de Ubuntu, qui s'appelle Linux Mint, comme le Mint en anglais, qui est orientée surtout pour les PC de bureau, les laptops et tout ça. Donc il sait gérer tout un tas de trucs au niveau de l'économie d'énergie sur les ordinateurs. Enregistrer le break. En plus, ce que j'allais dire, voilà, il y a sur Linux Mint, il y a des trucs un peu plus récents, des composants un peu plus récents. Voilà. Retour micro à toi, Michel, avec les amitiés. Retour Michel. Salut Ludo, les amitiés à toi, les amitiés, et puis des gros bisous aux petits. Et je suis un homme, et je te signale que j'avais beaucoup de coureurs. Vous avez quand même avancé, oui, que c'était très chaud, soi-disant régional, mais moi je l'ai transformé à un interrégional. Alors vous avez deux amis relis, vous avez l'ami Jean-Jacques sur les églises qui est la nouvelle. Ah zut, j'étais parti pour montrer justement, là c'est le monde qu'il y avait sur le WebSDR. Ah oui, donc non, ouais, je me suis trompé, t'es passé d'une Debian à une Mint. Oui, c'est ça, j'ai bien entendu, avec le QRM j'ai un petit peu de mal. Tu n'as pas été tenté de tester une Knopix à tout hasard pour voir, car elles sont très complètes celles-là. Question QRM, c'est
chargé ce soir là. C'est tendu, hein. Retour. Tu veux répéter juste à la fin ce que t'as dit, retour. Ok, ouais, je te disais, t'as pas été tenté de tester une Knopix. Ouais, une Knopix, car elles sont très très complètes, celles-là. Non, pas spécialement. Disons que Lint, je la connais bien, parce que j'utilise au quotidien, au boulot, à la maison, tout ça, donc ça me plaît bien, c'est tout ce qu'il faut. Donc j'ai pas été chercher plus loin, je suis allé au plus simple, en fait. Hein. Voilà. Et puis aussi, au plus sûr, parce que j'ai pas non plus 3 jours pour consacrer à la réinstallation du truc, donc c'est bon ça. Je vais faire un petit tir avec cela, quelques minutes, si on vous en dit. Retour à toi, Rémi, puis tu fais passer à Michel Thibault. Ok, ben je relance un appel général. Alors, les stations fréquences pour le QSO du canal 27 du Sud-Ouest, s'il y a du monde qui veut se signaler, allez-y. Bon, côté du Sud-Ouest, personne ne se signale. On va faire la priorité à votre ami Roger, comme le... Excuse-moi, mais j'ai soit de la propague qui m'arrive en AM ou un truc comme ça, ou un petit perturbateur là qui est derrière. Mais j'ai pas tout compris là du coup. Hein. En direct depuis la Moselle, putain, je pensais pas qu'il y avait une telle propague. J'ai vu tout à l'heure que bon, la propague était effectivement là, mais je pensais pas. Les 73-51 à la Moselle, voilà, du sud-ouest France, de la Gironde, voilà, secteur Saint-Émilion. Non mais ça, mais c'est sûr, tu as raison quoi. Non mais il n'y a pas de problème. De mon côté, j'ai un petit peu de mal à sortir quoi que ce soit, car j'ai pas mal de QRM là ce soir. Plus la propague ou je ne sais trop là qu'en AM. Je suis pas trop gâté là de mon côté, mais c'est pas grave, je fais avec quand même. Bon, tu sais, hein, je suis avec le poste habituel de QRA, hein, rien de plus. Hein. Au niveau sortie, là, je sais pas, j'ai aucune info. J'ai débauché ce matin à 7h, donc cette semaine encore, c'était sortie pro pour moi, quoi. Prenez le micro
quand il nous arrive. Hein, pardonne-moi. Je te signale que tout est retransmis. Notre conversation est tout retransmis sur Toulouse, sur le 44, sur le 57, sur le 67. Je t'appuie dans la retransmission en direct. Ok, merci. Ah, attends deux secondes. Voilà, ok, merci. Ben, de toute façon, en plus, ben, doublement, puisque Ludovic là, a redémarré son WebSDR. Voilà, là, là, son alimentation externe là, du PC est donc changée et tout, ça, là, tout, tout est ok maintenant. Donc, ouais, c'est retransmis de tous les côtés, quoi. Oui, oui, voilà, exactement, quoi. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres stations, Eric? Eric, est-ce que tu es derrière ou si tu es derrière, tu n'as peut-être pas envie de rentrer, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je suis un peu de retour. Ok, un petit peu de surmodulation derrière, un petit peu de propag derrière. Ok, vas-y, Ludovic. Alors, on meublait, en gros, Michel justement nous disait que c'était retransmis de son côté. J'ai répondu là-dessus bon, en lui disant que c'était doublement retransmis puisque de ton côté le WebSDR est à nouveau lancé. Et puis voilà quoi, donc ouais, on meublait quoi. Et bon, apparemment, les autres stations qui venaient sur le QSO n'ont pas envie de venir ce soir. Pour diverses raisons diverses. Hachi, alors donc retour à toi Ludovic. Qu'as-tu fait de beau cet été? Thank you.
J'ai entendu retour, c'est tout ce que j'ai entendu, je suppose que c'est à moi. Je suis complètement surmodulé par de la propague quand FM. Donc là, de mon côté, là, je suis complètement largué, là, je suis plus rien du tout, là. Ça chie trois coups, ouais, il y a une propague monstre, là, en FM, là, qui passe plein pot, là, sur nous. Et c'est vrai que là, c'est assez hard, hein. Ouais, j'ai réussi à entendre 270. Ok, c'est parti pour moi. Ok, c'est parti. Ah putain, c'est le jour et la nuit ici. Hein. Ah, c'est là un peu mieux, ouais. Ah oui, je veux, ouais. Michel, est-ce que tu as fini? Ah, c'est parti. Bon, bah, t'es calme. Non, j'en étais, ce que je demandais. Cet été, et si t'avais pas eu trop chaud, parce que j'avais vu les photos de ton thermomètre plutôt inquiétant. Cet été, eh ben, boulot, avec, ouais, t'as vu, il y a une température là où c'est monté, là, à 42 degrés, hein. Là, c'est vrai que depuis que je suis sur la Gironde, là, c'est-à-dire depuis 87, hein, c'est la première fois que je vois une température aussi haute, hein. Oui, Michel. Le papier, il est né en Gironde. Il a tiré 67 états. Et c'est la première fois qu'en Gironde, je passe de 40 degrés. Ah bah oui, ça m'étonne pas trop, hein. Parce que c'est que je vois chez moi 42, et là, c'est cuisant. Tu sors dehors, c'est du feu, quoi. Déjà là, quand ça commence à s'approcher de la température du corps, ça commence à être un peu compliqué là, à supporter. Dès que ça va au-dessus, et puis autant au-dessus, c'est hallucinant. Hein. Alors imagine les pays où la température monte à 50-52 degrés.
Non, j'ai même pas envie de voir ce que ça fait, quoi. Tu mets un œuf derrière sur un caillou et il cuit de suite, hein. Oui, moi aussi, hein, je te parle de température à l'ombre aussi. Hein. Et au cuira, oui, j'avais 42 degrés, là, à un moment donné, là, une journée. Et ouais, je te disais, il y a des pays, ouais, ça monte à 50, 52 même, mais c'est toujours à l'ombre aussi. Hein. J'espère bien, j'espère bien. Je suis trois coups. Ah ben j'espère bien aussi, oui. En tout cas, moi, pour les températures, les records de température, là, je sais pas moi, ce qui se fera, que ça fait pas longtemps que ça fait longtemps que je suis. Mais c'est vrai que cet été, il a pas fait chaud tout le temps. Mais quand il a fait chaud, il a fait très chaud. Et ce qui est impressionnant, c'est comment le soleil. J'ai pas de souvenir dans les années précédentes que le soleil soit si violent. J'ai des souvenirs de quand j'étais gamin en plein été, tout ça, à 12h, on sentait la chaleur sur les bras. Mais là c'est encore plus fort, comme si l'été, j'ai l'impression d'être à l'équateur en termes de force de. Ok, ouais, je me souviens des températures de 37 degrés qu'on a eues, de ça, là, ainsi de suite. On n'a pas eu beaucoup d'eau, par contre, là, c'est vrai que là, durant l'été, mais bon, l'été n'est pas encore fini, hein. On en est qu'aux deux tiers, là, de l'été, là, quand même. On va pas enterrer l'été trop vite, hein. Sinon, on va se croire déjà à l'automne, et puis après l'automne, ce sera de suite l'hiver, et puis là, gla gla. Non, non, on est en été, on va continuer à en profiter un peu.